Montardon à votre grâce. Qui est-il, Parker? Sir James, téléphone de Londres. Mon vœu? Allô? Allô? Bonjour, mon oncle. Bonjour. Merci, je suis très touché. Pauvre William. Voilà 3 ans qu'il est mort aujourd'hui. Quelle tristesse. Comment va notre cher petit Bob? Il va très bien, Dieu merci. Attends, tiens, il arrive de la promenade. Il va dire bonjour. Bob, viens, viens dire bonjour à ton cousin James. Viens. Attends, il vient. Là, dis bonjour. Allô, bonjour cousin, et bonsoir. J'ai faim, je vais déjeuner. Oh, Bob, qu'est-ce que tu... Oh, voilà une fête. Il est formidable. Allô, James. Allô? Ben voyons, oui, ouais. Vous en croyez. Au revoir, mon oncle. À bientôt. Maintenant, Bob. Alors, alors, Trafalgar 24-78. Alors, l'agence Curtis? Oui, monsieur. Monsieur Curtis reçoit tous les jours de 11h à midi. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Curtis. Bonjour. Mrs. Curtis vous attend dans le bureau. Il y a une dame. Vous la connaissez? Non, monsieur. C'est la première fois qu'elle vient ici. À qui ai-je l'honneur? Madame préfère ne pas encore dire son nom. Une affaire déplorable. Chantage. Hélas. Lisez, mon ami. Vous n'avez pas pensé à avertir la police? Oh, les lettres ont tout prévu. Le jour même, des échos passent dans les petits journaux. Mon mari fait de la politique. Il a beaucoup d'ennemis. Abominable. Vous avez montré ces lettres à votre ami? La première, oui. Il l'a déchirée et il m'a dit de ne plus m'en occuper. Seulement depuis, les lettres n'ont pas cessé. Chaque jour plus menaçantes. On me réclame 2000 livres. Je ne les ai pas. Et votre ami? Oh, lui non plus. Il est très jeune. Dans ses affaires... Donner de l'argent contre une simple promesse de silence ne met pas les victimes à l'abri d'une demande d'argent nouvelle. Quelle impasse! Rassurez-vous, madame. Nous disposons de moyens et d'arguments que n'ont pas les particuliers. Si nous nous chargeons de verser nous-mêmes ces 2000 livres, nous en terminerons irrévocablement. Et ces 2000 livres, nous les avons. Comment? Votre collier. Quoi? Ces perles valent au bas mot 2500 livres. Mon mari les a payés 4000. Entre ce que l'on achète et ce que l'on revend, il y a bien de la marge. Vous nous prêtez 48 heures, votre collier. Après quoi, nous vous en rendons une copie rigoureuse et parfaite. Et désormais, cette lamentable histoire est à tout jamais oubliée. Quand pouvez-vous nous envoyer votre collier?